Cette attention de Laetitia Hallyday qui a touché Mathieu Chedid. Mathieu Chedid fait partie des privilégiés qui ont collaboré avec Johnny Hallyday. À l'occasion de la sortie de son 6e album, intitulé Lettre infinie, le chanteur M est revenu, dans les colonnes du Parisien, sur la relation de travail et d'amitié qu'il entretenait avec Johnny Hallyday. Mathieu Chedid a notamment réalisé l'album Jamais seul du rocker, sorti en mars 2011. Si cet opus fut un échec commercial pour l'idole des jeunes qui passa rapidement à autre chose, Mathieu Chedid garde de très bons souvenirs de cette collaboration artistique avec le taulier. Cette expérience était tellement puissante que cela transcende tout le reste. Je reste fier de ce disque et je trouve touchant que Johnny ait eu des doutes, affirme-t-il dans les colonnes du Parisien, ce dimanche 3 février. Après la sortie de cet album pour lequel le public n'était pas vraiment au rendez-vous, les deux hommes sont restés très proches. On a toujours gardé un amour fou l'un pour l'autre, affirme M, qui confie avoir été très ému lorsque la femme du chanteur, Laetitia, l'a invité à jouer aux funérailles de Johnny Hallyday, qui ont eu lieu à l'église de la Madeleine le 9 décembre 2017, aux côtés de ses musiciens. Le fait que Laetitia m'invite à jouer lors de ses funérailles à la Madeleine m'a énormément touché. C'est le plus important. Ce jour-là, Mathieu Chedid était accompagné de Yo Delis, Maxime Nuxy, Yarol Poupeau et Robin Le Mesurier pour rendre un dernier hommage au chanteur décédé.